So. First. Un peu, beaucoup plus long. C'est un extrait de description de l'homme et qui commence une série en fait d'éloges des lieux grammaticaux, de la grammaire, des verbes, des articles, des pronoms. Voilà. Comme on faisait au XVIe siècle des blasons du corps féminin, le blason des cheveux, des yeux, des jambes. Voilà. Et moi je vais faire un éloge du verbe. Des auxiliaires, du verbe avoir et du verbe être. Ouais. Alors ce sont des verbes très mystérieux pour moi. On a un peu les mêmes hein, en français et en anglais. Être et avoir, voilà. To be, to have. Et on peut déplacer un curseur comme ça de 0 à 100, on pourrait dire. Hein. À 100, peut-être le verbe avoir, ça devient posséder. Et puis si on le déplace, eh bien. Quand on l'utilise comme auxiliaire, j'ai mangé, bah, le verbe avoir n'a plus du tout le sens de avoir du tout. Et pour le verbe être, évidemment, c'est pareil. À 100%, on a, j'existe. Et puis, voilà, je suis venu, le mot être n'a plus de signification en lui-même. Alors, j'ai essayé de faire un petit. Non pas un poème, voilà, comment je disais, je suis venu lire dans un milieu très poésie, je me suis dit, tiens, on va faire. Autre chose peut-être que des poèmes, on va faire un éloge, un peu comme ça théâtral, au verbe être et au verbe avoir. J'essaie de retrouver ma page, bien sûr. Excusez-moi si je me trompe parce que, en fait, je ne vois pas hyper bien. Mais je vais y arriver. Mon ami auxiliaire. Chanson. J'ai le verbe avoir. Avoir est à moi. J'ai eu deux fois le verbe avoir, avoir. J'aurais eu trois fois avoir, avoir, avoir. Avoir est à moi. À moi. À moi. Refrain. Couplet. J'ai un livre. J'ai un poisson. J'ai une idée. Aujourd'hui, j'ai eu une idée. Une seule ? Ben oui, une idée. C'est pas mal, hein. Une idée par jour, s'il vous plaît. Une idée par jour. Maintenant, j'ai un peu fatigué. J'ai aussi une maison, de l'argent, un joli compte en manque courant. Hein. Maintenant, je possède soif et un peu faim aussi. J'aime le verbe avoir. J'aime avoir. Cet auxiliaire m'aide beaucoup. Le verbe être m'aide un grand secours. J'aime être et j'aime avoir. Refrain. J'ai le verbe avoir. Avoir est à moi. Composé. J'ai eu deux fois. Composé. Le verbe avoir, avoir. J'aurais eu trois fois. Avoir, avoir, avoir. Surcomposé. Avoir est à moi. À moi, à moi. Couplet 2. J'ai, j'eus, j'aurais, avoir, si je veux. J'ai eu en trois fois l'auxiliaire de la possession. Auxiliaire égale aide égale à moi. À moi ! À Youdou. J'ai aussi un avoir. Demain, si je veux, j'aurai. Je veux. Demain, j'irai chez le marchand de propriété de si je veux et j'achèterai une propriété. Ma propriété. J'ai une maison, un domaine, une propriété. J'ai une maison, j'ai un nom. Qu'est-ce que vous avez vu en premier ? Mon nom. Qu'est-ce que vous avez eu en premier ? Mon nom. Je l'ai eu dès que je suis né. Je suis né dans les premiers. Je suis né en premier. Je suis né du bon côté. J'ai eu, été né, premier. Hein ? Et je suis resté. Chez le marchand de propriété de comme je veux, j'ai acheté un nom. Et j'ai de quoi payer. Compliment, compliment. J'en ai même pris plusieurs. Et aussi une œuvre, une propriété, et aussi un nom de domaine. Tiens, tant qu'à bien faire. Hein. La propriété, ce n'est pas du vol, hein, c'est... Je l'ai vu en premier. Je l'ai vu en premier. Et j'ai de quoi payer. J'ai fait une affaire. J'ai fait une affaire. J'ai acheté le nom Rebottier. Rebottier est à moi. J'ai Rebottier, je suis Rebottier. Plié.
Enfin, j'ai le verbe avoir et avoir. Etc. Bon. Alors, couplet 3. Je me suis fait refaire. XXL a sorti son livre avant moi. Je me suis fait avoir sur ce coup-là. Il a sorti mon livre avant moi. Il a sorti mon livre avant moi, le mien, répétez. Enfin, je veux dire, il a sorti son encyclopédie avant que moi, la mienne. Il est sorti avec mon encyclopédie? Non. Mais c'était son, ma, ta, sa, ton, mon idée. Je l'avais déposé, hein. Je l'avais déposé, j'ai le droit pour moi. C'était mon encyclopédie à moi. Et mon spectacle et ma lecture, qui est le mien, à moi, s'appelle aussi répéter. Je répète, cette pensée est à moi. J'avais vu cette phrase en premier, hein, avant toi. Elle est à toi, à moi, cette belle phrase, ce complément de lieu et de temps. Elle est à moi, cette chanson, ce bon mot, ce vraiment, vraiment. Document. Ce chat est mien. Ce chat est à moi. Il a un homme de compagnie. Mon chat s'appelle complété. Complément de temps, de circonstances et de lieu. Partout. Complément de minou, miam. C'est que j'ai une œuvre, hein, un nom. Moi j'ai. À vous, vous avez une œuvre, ben, moi j'ai une vie devant moi. Et ben moi j'ai une œuvre, juste derrière moi. Et alors donc un nom aussi? Derrière vous? Non, j'ai un nom au milieu, j'ai un nom en plein milieu, je me suis fait vieux, je me suis fait un nom dans le milieu. Hein? On fait pas mieux. Autre refrain. Alors, j'ai un tigre. Une libellule, un placard. J'ai des couilles. Bah, j'ai le droit. Hein. J'ai une tête. Je suis une tête. Ceci est mon droit. J'ai le droit. Mon droit est pour moi. J'ai ma tête. Toute ma tête. Si. Ma tête à moi. Hein. À moi J'ai des jambes. J'ai mes jambes pour aller dans l'espèce d'à côté. J'ai de l'énergie, la frite, là où les pêches, j'ai la pêche. J'aime mes jambes, et j'aime beaucoup m'en servir. Hein. Je suis beaucoup marché, beaucoup couru, et même beaucoup trop. Alors je vous le dis, j'ai un peu fatigué, je suis extrêmement fatigant. Couplet. Alors maintenant, mon ami. Je vais vous faire une concession, une confidence, à avancer, une ristourne, parce que vous êtes un ami, hein, vraiment. Un vrai prix d'ami pour un ami. J'ai un ami, reculez. J'ai un vrai ami de vraiment reculer, il faut reculer. J'ai un ami d'amis. Écoutez, non, je ne ferai pas de compromis avec mes amis. Mes amis, je leur fais des concessions, des confidences. Un compliment, une confession, un rabais très important. On négocie, reculez. Mon ami que j'ai, et que vous êtes mon ami, je vous dis, que voulez-vous? Que voulez-vous, vous? Alors voyons, qu'est-ce que je veux? Moi, j'ai 1, 2, 3, et puis aussi 4, 5, 6. Je veux 7, 8, 9, je voudrais 9, une tombe. Aujourd'hui, je suis allé chez le marchand de concessions et j'ai commandé une tombe pour mon après mes vieux jours. Reculez. J'ai le temps. J'ai acheté une tombe pour 33, 66, 99, 666 ans. J'ai le temps. C'est un bail amphithéotique. Répétez. C'est une concession perpétuelle quasi, mais pas tout à fait. On n'a pas la place. Hein. Ah, vous n'avez qu'à mettre des fleurs, hein. Que voulez-vous? J'ai tout mon temps, j'ai tout notre temps. Si j'y. Vous n'avez qu'à mettre des fleurs. De toute façon, l'or qui est gravé sur la tombe, il n'est pas éternel non plus, hein. Vous savez? Votre nom, là, tous vos noms, vos bons mots, vos belles lettres non plus, vous rigolez?
Même le lierre, il n'est pas éternel, contrairement à ce que vous avancez. Vous savez, avancez, non, reculez, restez. J'ai à présent un auxiliaire de vie, et un auxiliaire de fin de vie. J'ai à jamais présent un être et un avoir. Le mardi, être, et le vendredi, samedi, avoir. Et puis aussi le lundi, le mercredi, le jeudi, le dimanche. Et puis aussi le lundi, aussi. Et aussi le lundi. Et puis aussi le lundi, un auxiliaire d'avoir. Je passe avec mon ami avoir notre week-end, ton month-end, son year-end, ma life-end. Je suis avoir un auxiliaire de life et un auxiliaire de death. Bye-bye!